Je salue aussi mon cousin Pivi Lampard. Bonjour. Kaba Mimi, comment vas-tu, Mustapha? Ousmane Diallo, bonjour. Donc, c'était votre salutation matinale et bonjour à tous ceux qui viendront après. Et nous allons parler du journal Horea. Vous avez constaté dans les 2 jours-là ce que nous déplorons tous parce que nous ne sommes pas contre les médias. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas contre les médias. Je remercie mon grand frère. Souleymane Traoré, qui est venu me défendre lorsque je dis clairement dans 2 ou 3 que je ne compatis pas à ce qui arrive à la presse guinéenne. Je ne dis pas que je ne compatis pas. Mon grand frère est parti faire un poste avec ma photo. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent non, nous sommes un peu dessus de Benito, tout ça là. Voilà. Bonjour, ma cousine Mariam. Queen, viens dire bonjour à Tata Mariam Diallo. Come here, baby. Viens dire à ta tante Mariam, good morning, tata Mariam. Tu vas aller au Canada? Tu iras au Canada? Il faut dire good morning, tata Mariam. Ok. Il faut, bon, prends une tablette là-bas. Il faut dire bonjour, très bien, ils vont te voir. Tu as vu ta tante Mariam, Diallo. Et arrange ta bouche là un peu, baby. Voilà. Ok. Kaba Bakari, salut frère. Donc, elle disait bonjour à sa tante Mariam Diallo. Donc, le frère Souleymane, quelque part, les gens ont dit non, ne le défend pas, non, il ne me défend pas. Voilà. Voilà. Il me défend pas. Voilà. Il dit la vérité. Vous savez, je l'ai dit, je le répète, 90%, le pourcentage de la chute de notre régime-là, c'est eux, la presse. J'ai reçu une vidéo, bon, je ne vais pas la faire passer sur ma page, parce que c'est très difficile de voir que nous sommes en train d'enterrer, le 5 septembre, en train d'enterrer des militaires, des corps, certains corps qui n'ont pas de jambes. Certes, non, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, je ferai un direct le soir. Mamadi Doumbouya est en train d'enquêter sur un élément des forces spéciales qui a fait fuiter la vidéo. Voilà pourquoi on ne condamne pas tout le monde. Tout le monde n'est pas responsable. Grand cascadeur, bonjour. Oumou Diallo, comment vas-tu, ma tata? Tout le monde n'est pas responsable. Ce n'est pas parce que certaines personnes travaillent avec Mamadi sont automatiquement responsables de ces actes. Non, 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 non. 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 Nous l'avons dit, c'est maintenant les gens nous donnent raison. C'est lui qui a envoyé. C'est un élément de force spéciale. Moi, je ne connais pas. Et ça s'est partagé dans beaucoup d'inbox. Beaucoup ont la vidéo. Ces 2 vidéos, clairement même, il y a ici notre tag de rouge, zone vert. Ce n'est pas vert, rouge, vert, jaune, rouge. C'est rouge, zone vert. Des gens enterrés avec les tenues militaires le 5, le 6, la nuit du 5 au 6. Rapidement, ils ont. Parce que les corps étaient en décomposition. En 24 heures déjà, certains corps, ce n'était pas la peine. Et c'est lui qui a ordonné de mettre Aywa Dinkase et Abe Blaro. Parce que les gens voulaient distinguer les corps de nos frères chrétiens des corps des frères musulmans, parce qu'on doit, dans les conditions, on ne doit pas enterrer les 2 à la fois. Normalement, même si on n'a pas de cœur, on ne peut pas prendre le corps d'un chrétien, enterrer sur le corps d'un musulman, et respect pour les chrétiens, ou bien prendre le corps d'un chrétien, enterrer sur le corps d'un musulman, d'un chrétien, mais respect pour les musulmans au moins. Mais il a dit clairement, la vidéo là-bas, hein. Vous voulez que quand je vois les petits supporters malais, vous me faites pitié. Vous me faites pitié, vous avez vu? Le nouveau directeur de la communication de la présence là, qui vient de nommer la DCI. L'adresse, la DCI, vous avez Mamadi Kone. Vous connaissez le petit, non? C'est un RPJ à 1000%. Et puis c'était les bons petits de certains ministres d'Alpha Condé. Vous allez pleurer, vous les ministres. Vous avez vu, non? C'est maintenant. Vos complots contre le professeur Alpha Condé, contre Kassori, contre Ahmad Damalo, les complots, parce que parmi vous, il y a certains qui ont accéléré
leur situation d'emprisonnement. Parce que si ce n'était pas vous, certaines de vos informations, le CNED aurait fait attention avant de les arrêter, les mettre en prison. Mais vous avez vu avec quelle rapidité, avec des mensonges, vous les avez chargés. Donc le CNED n'a pas cherché à savoir si c'est vrai ou faux, on les a mis en prison. Et vous avez vu toute la difficulté, ou bien toutes les difficultés aujourd'hui que le CNED a pour se débarrasser d'Amadou Damaro, de Kassori, de Diané et autres. Certains ont dit au CNRD que Diané a mis à 100 étages. Sans rapport, ils disent, je sais de quoi je parle. C'est comme ça, ils disent, ils sont très sûrs pour avoir des postes. Et ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Frère Sankaba, on voit, comment vas-tu, frère? Certains le disent comme ça. Ils ont pris Diané, ils ont mis en prison. Et c'est le même Diané, notre patron du RPG, qui a recruté Mamadi, qui a accepté que Mamadi soit d'abord militaire. Qu'il soit d'abord militaire. Hein. C'est Diané qui a accepté qu'il soit militaire. On ne parle même pas de la chefferie au sein des forces spéciales. Alors, ils ont dit Damaro, ils ont dit 15 milliards, les dépenses de cet argent-là qui a été débloqué, sans savoir que certains ont été surpris que c'est pas la totalité de l'argent qui a été utilisé, tellement qu'ils sont pressés dans le mensonge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, le Chinois refuse d'accuser Damaro. Ils ont tout fait au Chinois, il dit non. Jusque-là, nous sommes comme ça. Le Chinois refuse de changer sa version parce que c'est eux qui ont utilisé l'argent, c'est pas Damaro. C'est eux. Ah, c'est ça. Mais Kassori, nous avons vu trois versions contre Kassori. Trois versions, hein. Nous avons vu Charrette ici émettre un mandat d'arrêt contre Alpha Condé. Où se trouve ce mandat d'arrêt? C'est-à-dire qu'ils ont passé par toutes les fonds, toutes les manières. Rien n'a donné par vos fautes. Aujourd'hui, on prend un de vos bons petits. Et elle va très bien. Le moyen, elle va très bien. Frère Boakar, elle va très bien, frère. Elle va très bien. Vous avez vu maintenant là où nous sommes, vous savez, je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui ont comploté, même ceux qui ont comploté contre ces loups, tous ceux qui ont été sélectionnés pour mettre ces loups à genoux, vous avez vu, ils sont en train de perdre. Appelez votre RPG, vous êtes en train de perdre sur toute la ligne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vérité de la personne. Et ce qu'on appelle la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, là, c'est ce qui se passe d'abord entre ton prochain et toi. C'est-à-dire, Dieu a sa vérité entre vous deux. Ce que tu fais de ton prochain, là, Dieu le juge ici. Et puis, il règle ça ici. Il y a certains péchés, là. Tu ne vas pas avec ça là-bas, hein. C'est Dieu. Non. Dieu traite ça ici. Il te montre que tu mens. Dieu te montre que tu es un faux. Dieu te montre que tu as menti sur ton prochain ici. C'est Dieu qui le fait. Ça, c'est la force de Dieu. Et voilà. Regardez tous les membres du gouvernement. Regardez les membres du gouvernement, force spéciale. Regardez les, qu'on appelle ça, le PM5, le Palais M5. Regardez tout le monde. Dites-moi que personne n'est lié à un ancien. Dites-moi que personne n'a eu n'a bénéficié de la sagesse. Personne n'a bénéficié de l'amour, de la confiance des anciens régimes, ou bien des anciens opposants, ou bien des opposants. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Donnez-moi, parce que si certains ne sont pas dans les partis politiques là, mais ils étaient dans le regroupement qu'on appelle ANAD, qu'est-ce que celui-là n'a pas fait dans l'ANAD pour eux? Disons-le, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans l'ANAD? Foligne Bintusila, il dit. Hein? Maintenant, Alpha Condé, regardez, vous les anciens, pourquoi vous avez peur? C'est-à-dire, le petit partait prendre des informations avec vous, hein. Aujourd'hui, il est le directeur de la communication, la DCI, celui qui a remplacé Moussa Moïse. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ah, vous allez comprendre. Alda Niaï, le petit Mamadi Condé, vous savez que sa bouche, Bekadalo, les gens ont peur même. J'ai vu le poste de mon frère Borokada. Tout le monde, Borokada a raison.
Depuis qu'on a nommé le bon petit de tous les anciens, en tout 80% des anciens ministres d'Alpha Condé là. Maintenant, vous n'allez plus parler. Vous n'allez, c'est-à-dire, le petit sait, Mamadi Condé connaît très bien, qui vous commissionnez, qui vous chargez, vous mentez sur qui, à Cabellon. C'est-à-dire, petit Carlon, comment vous mentez sur le gouvernement d'Alpha Condé? Comment vous mentez sur les relations d'Alpha Condé? Petit Cabellon, vous avez vu, non? On vous a pris en contre-pied. Avec un petit, on est en train de se faire. Petit Nafiba. On a mis dans le Nafiba là-haut. Il y a Nafi qui a nommé à la communication. Nafi. Quand on sélectionne un menteur, on le nomme à la décennie. Vous êtes foutu. Nous n'avons pas peur. Est-ce que nous avons peur? Bonjour, grand frère Mansana Traoré. On aura beaucoup de Kourouma quand on va dire. Est-ce que nous avons peur? Depuis le début là, moi j'ai commencé les lives avec Kapi. Abou Keita Kapi, demandez-le. Du premier jour, j'ai commencé le live avec Nabin Tijabi. Première fois de faire le live là, en direct là. Mais est-ce que nous avons peur? Non, pas peur de quelqu'un. Qui souffre, c'est vous. Regardez aujourd'hui le journal Horea. C'est le journal Horea qui publie tout aujourd'hui. Vous vous rappelez le journal Horea? C'est le temps du président Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire, on ferme toutes les presses privées. On brûle les presses, on ferme tout. Ils sont en train de nous ramener maintenant. Quand tu as les blogueurs humains, voilà, ou de quand tu as les, qu'on sait que les blogueurs là disent que c'est vrai. Ya, c'est le système Sékou Touré qui revient. Non, ne dites pas que c'est vrai. Personne n'a manqué de respect au président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Mais vous savez très bien, pertinemment, que le système Sékou Touré n'est pas compatible à l'actuel système, l'actuel mode de vie. Mais regardez le monde d'aujourd'hui. Regardez le monde d'aujourd'hui. On m'a envoyé tellement de vidéos pour me dire tu as raison sur Kagame. Mais les vidéos sont là. Que j'ai raison sur toute la vie, c'est ce que je suis Kagame. La vidéo existe. Hein. Le résumé, les contrats miniers, la façon de fonctionner, la presse, tout de Kagame. Ils ont fait un résumé des vidéos de Kagame. Allez écouter. Je vais faire passer ça le soir. Vous acceptez qu'on prend le système d'un petit pays. Même la Guinée forestière est plus grande que le Rwanda. La petite Guinée forestière, parce que c'est la plus petite région de la Guinée, est plus grande que le Rwanda. Que ce pays-là vous téléguide. Que ce pays-là vous oriente. Que ce petit pays-là, avec un homme délinquant, délinquant sur tout, tout le monde le connaît. C'est lui. Par trajectoire indirecte, là, vous gouverne, vous gère. Parce que son nom seulement, quand on dit son nom, on dit, non, faites attention, là. Voilà, il est parti s'approcher à ce délinquant qu'on appelle Kagame. Et pourtant, et lui-même, il est étonné que les gens n'ont pas peur de Kagame. Il est étonné. Lui-même, Doumbouya, là, il est étonné qu'en Afrique occidentale, ici, là, il y a des présidents qui ne font rien avec Kagame. Ils n'ont même pas peur de lui. Malheureusement, il s'est rendu compte. Demandez à Kagame qui est le président ghanéen. Demandez à Kagame qui est Alassane Ouattara. Demandez à Kagame. Vous savez, quand il a nommé Tidjane Thiam pour gérer la banque, Tidjane Thiam, celui l'actuel président du PDC-IRVA, le fils adoptif du président Ofoui Boigny, paix à son âme. Tidjane Thiam, de la Suisse, Tidjane Thiam est parti gérer une banque là-bas. La même banque qu'on va envoyer à Conakry. Vous savez quelle pression Tidjane Thiam a reçue? Tidjane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara dit, il faut rentrer. Occupe-toi du parti de ton papa, de ton l'ami de ton papa. Il est rentré, le président du PDC-IRVA. C'est la banque là qu'on envoie en Guinée pour gérer vos mines. Aujourd'hui là, c'est nos mamans qui pleurent. Ils ont fermé tous les sites d'orpaillage. Ah, c'est son neveu, voilà. Tidjane Thiam, c'est son neveu, effectivement, Oumou, c'est son neveu. C'est son neveu. En Guinée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit qu'Alpha Condé était un étranger. C'est un exemple. Tidjane Thiam, là, il est d'origine sénégalaise. Son papa est d'origine sénégalaise. Mais son papa, son grand-père, pas son papa ou grand-père, était ami avec le président Ofoui Boigny. Il a pris ça à une femme, il voulait la donner à leur papa. Vous savez, c'est une histoire réelle. Donc les gens là, on ne les indexe pas en Côte d'Ivoire comme des étrangers. On les indexe comme des Ivoiriens. Ils sont d'origine sénégalaise. Hein?
Aujourd'hui, il est venu à la tête. Et puis, sa femme est américaine. La femme de Tiantam est américaine. Sa femme est américaine. Il est venu s'occuper du parti de son papa. De son nom. En tout cas, aujourd'hui, il est en train de remobiliser la base du parti. En ce moment-là, là où nous sommes comme ça, là, vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir. Nous avons tout fait pour qu'on se réunisse, on s'accepte. Voilà, voilà les informations qui sont en train de sortir. Voilà. Effectivement, le grand frère Sorisak a raison. Voilà. Voilà les informations qui sortent maintenant. Vous avez vu, non? Mais avec tout ça là. Regardez aujourd'hui, à cause d'un petit, d'une petite personne qu'on appelle Kagame, nos parents vont souffrir à Sigiri, à Mangana, à Kerouani. Les petites exploitations, ils ont tout fermé. Ils ont envoyé des militaires. Ce n'est pas les militaires du camp de camp de Kankan. Hein. Des militaires qui sont venus du camp Kemebrama. Du camp de camp Alfaya. Ils ont envoyé des militaires pour fermer tout le site d'orpaillage. Ils ont tout fermé. Nos mamans, nos sœurs vivent de ça. Ils font vivre les... Combien de fois nous avons dit que c'est les femmes guinéennes qui font vivre leurs maris, toute la famille. Donnez-moi une famille aujourd'hui. Hey, nos papas là, ils partent travailler. Nous sommes d'accord. Mais vous savez qu'est-ce que la femme guinéenne fait dans le foyer? Vous savez? Si vous le savez, dites-le. Hein? Mais c'est l'information, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Si j'ai la vidéo, l'attendez. C'est que la femme dit. Il supplie même Doumbouya, Ambalo Dialeté, Atoigne Ambalo, Aibra Yorob est fermé. Ils ont fermé tout. Même les petits là, Aibra Villas Bela, même les marigots, Molukuru, Koladji Menaudi, les petits marigots là, à l'intérieur de Sigrine, de Mandiana, Aibra est fermé. Tout est. Les militaires sont partout. On dirait la guerre. Aïkonyoko sera sur le bras d'Ombi, Hortikine, comme si Kelele. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait fermer les presses privées. Il fallait fermer les radios privées. Parce que c'est eux qui dénoncent. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de nous fermer. Hein? Ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils ne peuvent pas demander au patron de Facebook, nous voulons qu'ils ferment les comptes là. Le gars leur aurait demandé carrément pourquoi fermer ma page là. Ce que j'ai créé là, c'est chacun est libre de travailler avec Facebook sans enfreindre aux règles de Facebook. Avant que quelqu'un s'abonne sur Facebook, ouvre un compte sur Facebook, on t'envoie les lois et les règles de Facebook, tu acceptes. Ce n'est pas un régime qui va demander, même au président américain ne pas demander à Facebook d'interdire quelqu'un. Je ne dis pas les images, les propos des politiciens qui sont très graves. Voilà, là on peut demander au patron, même ça aussi il va analyser avant de fermer. Merci frère Mouritraoré, merci pour les étoiles. Donc tranquillisez-vous. Les mamans sont en train de pleurer en haute Guinée. Elbraï, nous te savons là qu'il faut que c'est bien fait. Parce qu'ils ont dit clairement, quand on a appris Alpha Condé, la haute Guinée n'a pas bougé. Avec le fond. En qu'Alpha Condé, on a appris qu'Azuri Persé, la basse Guinée n'est pas sortie. On a appris Damaro, la forêt n'est pas sortie. Donc si on prend aussi, comment on appelle ça, on prend aussi Seydou Daniel Diallo. Mais je vous ai déjà dit pour Seydou, j'ai été très clair. Merci, le seul blanc depuis Japon, c'est Kamala. Merci, frère, pour les étoiles. J'ai été très clair pour Selou. J'ai dit ça à quelqu'un à DC, lors du tournoi intercept. J'ai dit, Selou, pour ceux-là, personne ne peut tenir l'eau glacée dans sa main pendant 2 minutes. L'eau glacée. Avec du terre comme ça, là. L'eau glacée. Je ne parle pas de l'eau chaude, je parle de l'eau glacée. Selou est une eau glacée. Abaki, comme ça, là. Il faut de glacer, tu vas le laisser. C'est pas pour nous là, parce qu'il y a trop d'escrocs parmi nous. Maintenant, vous êtes restés dans ces escroqueries, dans ces combines là. Abraham Abikadou, c'est tombé sur qui? C'est tombé sur nous. Les gens sont en train de se chercher aujourd'hui là. Beyer Inabi. Djonta Inabi. Nkaï Mandéma. Qui se cherche pas aujourd'hui dans le Mandé? Qui se cherche pas? Donnez-moi l'ordre d'une seule personne. Il y a maintenant tout. Il y a tellement de vocaux. Benito Ambratoro. Ambratoro. Moi, le café, un Kosuko. Kosu.
Comme il y a un animal qui me disait ça d'ici, quoi elle était, la de quoi elle est sous coloro. Donc, lui, il allait sous coloro parce que lui, tout son problème, c'est ce dans les dialogues. Tout ce qui est dans sa tête. J'ai dit, bon, voilà. Je ne suis pas surpris de rencontrer une personne comme toi. À quoi bénit qu'on fait? Oh non, je te le dis, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je te le dis, c'est un certain quoi là, Kaba. Attendez, non, on chahitait quoi. Mais lui, il était en réalité, il disait la vérité. Moi, je l'ai dit, il y avait des jeunes qui nous regardaient. Dis, toi là, il faut rester dans ça. Alba Clité Lomina, tu as pris mon numéro. Non, il dit Clé. Tu as pris photo avec moi, tu as pris numéro. Et puis lorsqu'ils prennent les photos, quand les gens voulaient prendre photo avec nous, Damaro, Sosomangue, ils disent, ah, on va envoyer ça à l'aéroport. Moi, je leur ai dit, haute voix, j'ai dit, envoie à l'aéroport. Il faut envoyer à l'aéroport. C'est quoi? D'abord, vous avez changé le nom de l'aéroport. Là. Est-ce que vous m'avez entendu parler de la médecine couture? Je parle de l'aéroport Bessia. Ça ne changera rien, mais c'est mon aéroport s'appelle l'aéroport Bessia. C'est tout. Non, il me dit, non, quand tu vas arriver là-bas un jour, là, tu vas voir ce qu'ils vont mettre sur ton... Sur quel passeport? Ils vont mettre dans le cachet, tu vas avoir le logo de... Moi, je ne vais pas lever parce que le passeport est... Le passeport que j'ai là, je n'ose pas effacer, je n'ose pas toucher. Sinon, je peux enlever ça. Sinon, aujourd'hui, comment comprendre? Comment comprendre aujourd'hui? Fermer Fine. Fermer Dioma. Hein? Et puis, utiliser GG. Utiliser Adafo Media pour fermer les autres, pour ouvrir, pour donner une valeur à Oréa. Oréa, c'est un journal local. Est-ce que vous ne verrez jamais Oréa vous parler d'autre chose? Attendez, je vais vous montrer les déclarations de nos mamans à Sigiri, en direct. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est regrettable. Alors, on va parler de l'article 46, rapidement, après la tout. Alors, on y a là-bas. Parce que, comme à ce niveau de là, C'était quel Nyebuto. Ce qu'elle dit à Malinké, là, c'est-à-dire, les hommes n'ont plus la force. C'est-à-dire, actuellement, là, en Haute-Guinée, les hommes ne travaillent plus. Il n'y a plus d'emploi en Haute-Guinée. Non, c'est un exemple. Je sais qu'en Guinée, il n'y a plus de travail. Mais en Haute-Guinée, c'est-à-dire, les hommes ne travaillent plus. Vous savez, il y avait un programme au département de l'agriculture qui aidait les paysans. Voilà, un programme mis sous place par le professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé. Un programme. C'est-à-dire, les engrais moins chers, les intrants agricoles, Kabé Dalma, presque, il gagnait sa cadeau. Maintenant, là, il n'y a plus ça. La femme dit qu'il parle plus d'hommes.
C'est les femmes là, Kosani Nikuru. C'est-à-dire, les femmes là, qu'est-ce qu'elles font? Les rejetons, les produits rejetés des compagnies minières là. C'est ce que les femmes là prennent là, les terres là. Elles s'en vont au bord du marigot. Regardez les pauvres femmes. C'est la boue là, la boue, la terre là. Ils mettent dans des tamis comme ça là, sous l'eau. Ils secouent comme ça pour avoir des grêles d'or. Parce que c'est par jour, et quand tu as les grêles d'or là, il y a des commerçants qui sont là, qui achètent ça. Tu t'en vas, tu mets, on pèse, on dit c'est 40 000 francs guinéens. Et puis on te donne cash des 40 000 francs. Et rentre le soir, et là, les femmes là, les pauvres femmes, les pauvres mamans achètent le manger pour aller préparer. C'est ça, les malinqués. En étiblique, en blabla, d'arocadon. Maintenant, tout ça là, c'est fini. Parce qu'elle dit concorde enfant. Parce que elles sont habituées à la seule activité. C'est ça que résume à ce. Comme si tu pars à Pita, tu dis que personne ne va faire la. Personne ne va cultiver la pomme de terre. Mais c'est la principale activité. En tout cas, 90%. C'est l'activité qui donne beaucoup d'argent à la population de Pita. C'est quand tu viens à Mamou avec le piment. Mamou Bembe, vous n'avez pas entendu Mamou Bembe? Les femmes de Mamou la font ça, les tomates, oignons, piment à Mamou. Maintenant, toi, tu viens dire aux gens de Mamou, non, pour le moment-là, on suspend tout ça, personne ne fait l'agriculture de ça. Et vous aussi, vous aurez coupé. Qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est ce qu'elles disent. Qu'est-ce qu'Anne Mouké? Et puis, ce qui me fait pitié, ceux qui sont en ville, là, sont coupés du monde. Maintenant, c'est dans les villages, les gens sont regroupés au village, ils sont assis. Il n'y a pas de travail, les gens sont assis. Les maris ne travaillent plus. Les hommes aussi, les maris ne travaillent plus. Maintenant, les femmes aussi ont rejoint leurs maris au village. Il n'y a rien à manger. Imaginez-vous dans un village. C'est l'été, il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas de récolte. Ceux qui ont vécu, moi, j'ai vécu dans les villages. Hein? Les gens vivent de cette culture-là. Elles font des cases comme ça où on suspend. Hein, on suspend comme ça les paquets de riz là et autres là pendant la saison pluvieuse parce qu'il y a pas, c'est ce qu'on mange. Allez-y en forêt, demandez les conditions de vie des familles en saison pluvieuse. En forêt. Je parle de la forêt. Non, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Maintenant, c'est à cause d'une seule personne, un individu qu'on appelle Paul Kagame. Il n'est pas guinéen. Il n'est pas sénégalais. Hein? Il n'est pas guinéen, il n'est pas sénégalais, il n'est pas mauricien, il n'est pas de la zone là, il n'est pas ivoirien. Il est de l'Afrique là-bas, au fond. C'est lui de là-bas. Il a tout. Il est le septième homme le plus riche d'Afrique. C'est lui qui fait souffrir nos pauvres mamans comme ça. Parce que lui, il veut récupérer toute l'exploitation aurifère de la Guinée. Hein? Quand vous regardez un Bassirou Diouma Faye, il peut accepter des conneries comme ça au Sénégal. Regardez les nouvelles lois qu'il est en train de mettre sur place. Et puis je le félicite. Il y a une loi qui sera votée pour la protection des lanceurs d'alerte, les activistes au Sénégal. Une première en Afrique. Dans les pays francophones. Sinon les pays anglophones en ont. Le seul pays francophone où il y a une loi pour protéger les activistes, les lanceurs d'alerte, c'est au Sénégal. Bientôt, la loi sera votée. C'est-à-dire les blogueurs, les activistes, ceux qui alertent là, on ne peut plus venir les ramasser, les mettre en prison parce que tu es président, tu es fort. Non, c'est terminé au Sénégal. C'est fini. C'est fini au Sénégal. Un Paul Kagame comme ça peut se comporter devant le général, le gars de Guinée-Bissau là, Ambalo, il peut le faire. Est-ce qu'il peut faire ça en Côte d'Ivoire? Il a fallu qu'il ait un tortue. Comme Doumbouya, la tortue, le vrai même, pour qu'il se comporte comme ça. Nous allons parler de. Nous allons dire à nos mamans de prendre le courage. Andel Théo. Afonandel Makou, Yafola Landi, maman. Adi Yafama. C'était les personnes au départ, juste après le coup d'état, qui partaient là-bas, à être dans la Haute-Guinée. Voilà, qu'on a Alpha Condé, avec un Fayana, qu'Alpha Condé Bracro, qu'Abrassé, qu'Alpha, d'Oléré, qu'Afayana, que c'est Alpha Condé qui a poussé Mandé à faire le coup d'état, que parce que pour ne pas que Flaqué et Maseata, avec un Olefalié. Sont dans les villages, dans les petits villages, qu'Ofalnana, qu'Olekeni. Olema Falnana.
Alpha Condé, Alpha Condé, Denis Mamadizi. Comment ça a boni Sambre qu'on a canal salon? Oh, comment ben forali? Aïka bené. Oleka Moldu Sola dit, qu'on a, et puis Alexim Dou, après 6 mois, qu'on a, qu'Alpha Condé me rend comme aussi. Comme aussi m'a bougé. Qu'au cas où il me rend, sous m'a bougé. Qu'au damarom me rend, forestel m'a bougé. Qu'au passé comme Mali Joule, Mali Tuyalika. Aïbra et Bika. Aïbra Radio Bédatou. Radio Crawl ou Coréa, vous avez vu son parti inauguré sur l'île de l'Os. La station, la radio rurale. Aujourd'hui, là, on demande aux gens d'écouter la radio rurale, les radios rurales, ou bien, je sais pas, la radio rurale, ou bien, de lire le journal Coréa. Mais qui va, le journal ne parle que de vous, du bien de vous. Ils vont jamais dénoncer. Qui peut mentionner dans un journal Coréa, un journal privé? Kabla, Kono. Bientôt, l'un premier parti de Mumba. On est là, ben, toté. Nous allons revenir. Olete. Aldamnalma. Alwande kawia falnana. C'est maintenant, vous avez vu, non? Alpha Condé nullement lié à Doumbia Ibrahim, avec Kapko Beke. Parce que même Jeune Afrique, avec nous, au départ, quand nous avons fait les commentaires de Jeune Afrique, là, voilà qu'à falnana, qu'au Beouya, qu'au journal, on m'a dit les contre là. Qu'au Badenya, on m'a dit quoi? M'a dit, en bras, frère, m'a dit, tu fous d'Alma. Rien a été assurable. Parce qu'à 40 ans, à moi, avec la bandit l'a dit, à monsieur, tu as beau le dit. Tu as bien tes problèmes d'idée. Mais à monsieur, tu as beau le dit. À monsieur, française, le dit. Ou te fous tellement. Qu'est-ce que, comment vas-tu, ma chérie? Aïraïbi, maintenant, là. Allez, t'as mis Brocolé là, parce que Brocolé a bradou la Guinée. Ni du haut du sol, il faut que vous ayez la vie. Si tu dois avoir l'argent, il faut mentir. En guillot, même avoir l'argent là, c'est rare, parce que même quand tu mens, tu gagnes plus, parce que même les ministres là, ils gagnent quoi? Rien. Il y a des gens aujourd'hui, leurs sœurs sont ministres, leurs frères sont ministres, mais ils font beaucoup attention à nous. Les critiques d'avant là, au Tekalaboutou. Non, vous ne verrez plus les têtes de mort. Est-ce que vous voyez les têtes de mort sur les pages, maintenant? Il n'y a plus de têtes de mort. C'est tellement qu'ils ont honte. Ils ont envie de participer à vos commentaires, participer à vos lives. Ils sont tellement honte. Hein? Doumbia Moussa, on croit que ben, c'est du code de la magie, on le faut canter. Aldanyaï. Maintenant, Ebra Kanga est Bekalo, Kanga Bekalo, Kobasi Gula, Basi Commerce Développement Kankan, Basi Kabasita, Aïkamfo, Kobasi Obe, Kobasi Périmine, or que Basi Otam la porte de Conakry. Ou le gars qui est là, vous dites que les médicaments là, parce que vous avez vu, c'était le commerce, c'était devenu le commerce principal de Kankan. Hein? C'était devenu le principal, la principale activité de la population de Kankan. Moi, le Dulac, là, mais bête, m'a dit, bah, c'est le médicament. On dit, et puis les gens avaient des kiosques modernes maintenant à Kankan. Kankan kiosque bête, les kiosques modernes, dit. Ventilateur, y'a qu'on a, tempéré, tout. Mon tombe la kiosque modernisé. Basiko tombe la fin. Même à Madina, mes cousins pèlent, mes oncles pèlent. Mais allez-y voir, les kiosques étaient modernes. Même quand tu partais pour les consultations à l'hôpital, mais quand ton ordonnance, il y a des médecins qui t'indiquaient là où partir trouver le médicament à Madina, pourquoi les médecins d'État t'indiquaient à Madina, voilà, c'est tel Diallo, tel il y a des médicaments, il y a des bons produits. Pour mettre que là, il y avait tout ça à l'anguille. Tout autre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré priver toute cette population-là. Hein? Toute cette page-là. On ne passe même pas. Avec un monquet, avec un bé récupéré pour donner à une seule personne, un seul individu. Tellement que Nyangouya, la méchanceté, un seul gars, une personne proche du CNRD, a mis combien de familles au chômage. Parce que vous savez très bien, ne faites pas comme si vous ne savez pas. Chaque famille aujourd'hui, quand tu prends les pédigrés de chaque famille, il va en branchement et chaque famille a plus de 10 membres. Chaque famille aujourd'hui a plus de 10 personnes, 15 personnes, mais qui dépendent d'une seule personne. Maintenant, on vous dit qu'un commerce est fermé. Lui, il ferme sa boutique, il ne vend plus de médicaments. Amiria, là, le reste là, l'embranchement en bas, ou l'auto Moukela. Hein, l'auto Moukela. L'auto Moukela. S'il vous plaît, un tout enfant. Un tueur, Fonyoé.
Mais Ibra Kaloumié, il a fallu que ce jeune-là se lève. Le jeune de Kaloumié, le professeur de philosophie-là, intellectuel, en climat, il est assis dans sa tête. Il a une tête. Parce que je ne parle pas des petits escrocs qui sont autour, là. Mais il a défendu sa zone, sa juridiction. Ce n'est pas le FMI qui va donner l'argent pour qu'ils reconstruisent leur lieu. On dit non, allez-y dormir quoi, je ne sais pas. Le gars a dit non, on ne bouge pas. Parce qu'il y avait un seul individu qu'on appelle Kenyeko qui voulait acheter la partie là aussi. Lui aussi, il voulait tomber sur les gens là. Les sinistrés, les personnes qui souffrent. Tellement que la haine dépasse les gens aujourd'hui. Tout Kankan, le marché de médicaments de Kankan, a dit mon cœur, un seul individu à tout le marché de Kankan. Oh, le frère là ici a dit, c'est l'amour à la Guinée, c'est ça. Maintenant, je vais terminer par ça. Excusez-moi, j'ai pris assez de temps avec l'article 46. Nous avons vérifié l'information. C'est effectivement vrai. Dans l'article 46, le voilà ici. Excusez-moi, je ne voulais pas faire sortir la photo de ma mémé là, mais néanmoins, nous allons voir. Voici l'article 46. Tata Fatou, merci. On va laisser grand-maman. Je taille. Vous avez vu l'article. Donc, l'article 46 dit clairement que le général Mamadi Doumbouya peut se présenter à la présidentielle. C'est ce que l'article 46 dit. L'article dit que dans sa Kourouma, le petit qui n'a même pas 40 ans, a introduit parce que, selon l'article, n'était pas dedans. Parce que pour Assimi Goïta, ils ont demandé que les gens puissent donner leur avis d'abord. C'est pour Ibrahim Traoré seulement que c'est confirmé. Pour Ibrahim Traoré, c'est clair. Prolongation de la transition pour 5 ans et IB peut se présenter. Mais pour Assimi Goïta, il se peut qu'il soumette à un référendum pour l'opinion. Pour l'opinion. Mais nous aussi, ils ont mis au niveau de l'article 46. L'article 46 a des limites. Mais Mamadi Doumbouya peut se présenter. Vous avez passé 27 mois avec Mamadi Doumbouya dans cette situation-là. Les marchés gré à gré, des projets non terminés. Vous avez passé 27 mois. Si on vous dit que ce dernier va faire un mandat, ils ont fermé la presse, ils ont fermé tout. Ils sont en train de ramener les anciens systèmes de Sékou Touré. Vous connaissez, nous n'avons pas. Bon, moi j'étais petit dans le Sékou Touré. Mais demandez à vos papas qui ont vécu le temps de Sékou Touré et qu'on vous dit un beau matin que tout va être comme le temps de Sékou Touré. Au 21e siècle, le temps de la technologie, le temps de l'électronique, le temps moderne, qu'on vous dit que c'est le temps de présenter ce couturier qui sera imposé aux gens. Wassalam, vous n'avez rien compris. Voyons le boulot. L'article 46 le dit clairement, il sera candidat. Je ne perds pas mon temps là-dessus parce que nous l'avons dit. S'il y a quelqu'un qui l'a dit ici, là, c'était vous. En tout cas, c'était moi. La première fois, j'ai dit Doumbouya sera candidat. Mais ce qui ne me surprend pas là, ce qui m'étonne pas, c'est que malheureusement, ce n'est pas lui qui va organiser les secondes. Il est bien clair. Vous comprenez? Donc, portez-vous bien. Bonne journée. Je m'en vais déposer ma fille et maman. Voilà. Voilà. Donc, ne les cafons. Même Fran Kafo Moldoué, parce que, pas pour une convoité, mon grand-père connaît, je ne convoitis. Je l'ai dit depuis, mais ne Kafo Atiye, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a lancé, c'est en moquerie. Voilà, c'est à moquerie, mais à Magnaï. Voilà, il s'est moqué de moi, c'était à DC. Mais il a vu que lui-même, il a compris que des fois, quand je réagis sur Facebook, là, c'est compréhensible. Mais dans la nature, quand on s'est rencontrés, on s'est salués, il a tenté de me rabaisser un peu. Voilà, pas moi, ma personne. Parce que même en me voyant là, il sait qu'il ne peut pas me rabaisser. Mais il a voulu s'attaquer au procès Alpha Condé, s'attaquer à Kassat pour parler de. Il dit qu'il y avait beaucoup de corruption. Moi, je le laissais parler, il a vu que je ne l'ai pas interrompu. Il dit qu'alors Benito. Mais d'abord, il me dit, jeune frère, moi, je lui demandais s'il connaît mon âge. Il dit, non, mais Nkakorodine, quoi est-ce que tu connais mon âge? C'est pas parce que tu as cliqué sur Facebook là, tu as vu l'âge que j'ai mis sur la page de Facebook, pas forcément mon âge. Ça peut être mon âge et le contraire aussi. Bon.
Bon, ça c'est le comportement du Mandinga. Bah, moi, il y a un parce que les gens aiment trop. Aïe, bien, follow, là, fait qui, quand il a pas qu'à corrodi. Comment vas-tu, NG? Salut, comment vas-tu? Bonjour, comment vas-tu? Il dit, bon, tu sais, il y a, il y a chose, comment on appelle ça? Il y avait la corruption, puis quand on a fait contre la corruption très vieux, tout brassé. C'est lui qui parle, hein? Les vieux ne contrôlent pas les choses. Donc, je suis d'accord que m'a dit quand même que ce n'est pas bon. J'ai fait mes yeux comme ça. Il m'a dit quand même que ce n'est pas bon, c'est honteux pour le Mandingue. Donc, Ibrahim, moi aussi, c'est ça, encourager là. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a quoi, Ibrahim? Donc, Ibrahim, nous devons maintenant chercher la solution. Ah, j'ai fait encore comme ça. Ah, nous, moi, je dis, excuse-moi. Nous qui. Qu'on a les réseaux sociaux quand. Donc, elle a Kouma, lui, voilà. Donc, il faut que vous interveniez. Je dis, bon, excuse-moi. Là, je vais t'interrompre. Tu veux que moi, Benito, je viens sur Facebook. Je demande aux gens d'être compréhensifs sur la barbarie de Mamadi. Je dis, bon, je vais d'abord te rectifier. C'est ce que Tata Fatou dit comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de corruption actuellement. J'ai dit, je vais te montrer quelqu'un qui est assis dans la délégation de l'ambassade de Guinée à Washington. À Konofraola. Non, j'ai dit, si, je peux te montrer quelqu'un qui est assis ici, là. Qui travaillait au Trésor. Au temps d'Alpha Condé. Assis. Ah, il est là ou bien il est mal. Il a été mité à l'ambassade. On l'a fait sortir de la Guinée. Il travaille avec mon jeune frère. Parce que vous ne connaissez pas la famille d'Amara. Non, tu connais. Elle dit, non, je sais que tu es de la famille d'Amara. Non, il va alors. Lui, il travaille avec le frère, avec notre frère Mori. Il est soupçonné de détournement de 7 milliards. Il est mort. Il est assis bonnement ici. Allez, c'est nous, lutter. Maurice Sanda l'a envoyé. Oui, Sanda l'a envoyé à l'ambassade ici. Comment tu veux que je m'attaque à lui? Il dit non, mais les gens veulent même que vous ayez folie, que vous comptez moi la folie. Ceux qui sont assis là, est-ce que tu m'as vu regarder quelqu'un? Moi, je suis alphaïste. Je suis du RPG. Tous ceux qui sont là, il n'y a pas un qui n'était pas dans le RPG. Ou bien, parce qu'il a fait Kanakoumale. Il n'y avait qu'à Nakoumale. Oh, si tu veux qu'on fasse un débat, toi tu parles de corruption. Je laisse tous les débats de corruption. Mais celui qui est assis là, il a volé 7 milliards. Il est assis ici, il est à l'ambassade. Pour quel poste? 8 personnes dans une ambassade. 8 personnes. Il n'y a pas de bureau, ils sont en train de faire les va-et-vient. Il faut non. Comme tu as parlé de corruption, là, au fond de tout, il y a long. En une corruption, Kouma Toué. Nandonaoro, télé du Bama. Tu as compris? Donc, mon frère, toi, Mamadi Doumbouya, là, je suis pour n'importe quel opposant qui va couper ces trucs-là. À quoi il est là? Doumbouya, là, encore, on a dit, pom. Même celle qui vient après moi est plus âgée que Doumbouya. Donc, Doumbouya, là, moi, je n'ai pas de considération pour un délinquant. L'acte qu'il a fait, là, l'acte qu'il a commis, là, c'est acte malhonnêteté au dit. Où il y a Foucault, ce qu'il a fait là, c'est le comportement d'un délinquant. Délinquant, non, ok, là, quoi. C'est-à-dire, moi, il y a la confiance bête à l'aïro. A unité, mon mère bête, arme bête à Kadima. Il n'a eu mina. Comportement autodi. Autodi. Ah, il mandinkale, le type. Moi, le connard, quand je suis forestier, mais d'autres tout mancilo. Ou bien, tu vas le contraire. Ou bien, à Kamenke, ou Moudi. Et puis de surcroît, ce qui est surprenant, les corps des enfants des gens, à Maudit, Gana Maudit, ils m'ont dit un soutien ou enterré. La vidéo circulait. En Allemagne, Kafalniana. Il a fini Moufo. Il est venu, il est élégant. Portez-vous bien. Bonne chance au Real Madrid, Yandi. Encore, je dis, moi, je continue pas le débat avec eux. Ne te débat inutile, je ne suis pas là le débat inutile. Alors, donc, portez-vous bien et continuez à vous abonner sur ma page YouTube parce que ils ont commencé à, ils ont,
Ils ont un système actuellement là qui attaque nos, je sais pas, c'est un nouveau système qu'ils ont appliqué sur nos comptes. Voilà. Moi, j'ai pensé que ce matin-là même, ma page Facebook n'allait pas marcher. Voilà, parce que j'ai reçu des messages. Voilà, il faut faire ceci, ta page a ceci, ta page a ceci. Je me lève, je clique comme ça, ma page n'a rien. Donc, pardon, il se peut qu'il bloque définitivement ma page Facebook. Donc, allez-y sur YouTube aussi, s'il vous plaît. Voilà, voilà, sur YouTube. Allez-y sur YouTube, s'il vous plaît. Il y a arrobase Massanta Binto. C'est collé, tout est collé. Arrobase Massanta Binto officiel, vous allez vous abonner. C'est pas vous dire que non, c'est pour que les gens s'abonnent sur sa page. Les gens sont sur ma page, sur YouTube. Voilà, il y avait plus de 60 personnes qui me suivaient comme ça. Donc, allez-y sur YouTube, abonnez-vous. Parce que Damaro a des sérieux problèmes aussi avec sa page. Des sérieux problèmes. Donc, on ne sait pas. Voilà. Parce que là où ils ont maîtrisé la presse guinéenne, ils ont fermé toute la presse guinéenne à Bratoan de Loup. Et nous là, on ne peut pas. Donc il faut de la. Parce que ceux qui veulent comme ça, quand nous sommes connectés là, que personne ne voit ça en Guinée. Même si il y aura Facebook là, tu ne verras pas nos vidéos. Olé, loyer là quoi. Mais bon, olé, bon, portez-vous bien, merci.